Bonjour Steven. Bonjour mon Clément. Qui es-tu? Alors je m'appelle Steven, j'ai 33 ans, je suis gérant de la société Vendez votre camping-car et équipez votre camping-car. Et accessoirement j'ai deux enfants, deux merveilleux enfants. Quelle est ta fonction? Ah, je suis président. Président directeur général, voilà, en t-shirt hawaïen, voilà. Donc je suis président, directeur général, vendez votre camping-car et équipez votre camping-car, c'est un mot que j'aime pas du tout. Donc on va dire gérant, voilà, je suis responsable de boutique, voilà. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce job? Ah, ce qui me plaît le plus, c'est un peu l'image de mes amis aujourd'hui, c'est qu'on est en détente, on vend des vacances, voilà, on discute beaucoup avec les clients, on échange beaucoup, il y a beaucoup d'humains dans notre métier, ça me plaît énormément. L'humain, le passé des gens, le vécu des gens, le projet des gens, pourquoi ils achètent aujourd'hui un véhicule de loisir, fourgon, caravane, peu importe. Donc voilà, c'est un métier passionnant, on se lasse pas, ça fait 14 ans que je fais ce métier-là, j'espère le faire encore des années. Quelle est la première chose que tu fais en arrivant ici au travail? Je me fais un café. Très important, et même pour rien vous cacher, je prends deux cafés. Est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance ici? On bosse en famille, on est entre copains, donc ça c'est l'avantage. Et autre avantage, c'est que les personnes avec qui j'ai travaillé dans ma vie ont été capables de sauter le pas et de suivre l'aventure Vendez et équiper votre camping-car. Donc c'est que des gens que je connais depuis des années avec qui j'ai travaillé. Donc très bon enfant, forcément. Si tu pouvais décrire ton rôle en seulement trois mots. Mon rôle en trois mots, diriger, prévoir et gérer. beaucoup de gestion. Si tu devais avoir une seule règle à donner à toute l'équipe, laquelle serait-elle? Ah, celle qui me vient le plus comme ça, qui fuse, d'arriver à l'heure. Ça serait plutôt une bonne chose. Juste à l'heure, ça ira. Selon toi, quels doivent être les atouts d'un bon chef d'entreprise? Ah, bonne question. Les atouts d'un bon chef d'entreprise, alors je suis encore très jeune dans mon activité, je pense d'être à l'écoute, essayer de comprendre les problématiques, essayer d'améliorer le quotidien des collaborateurs et des gens avec qui je travaille. Voilà, après, en ce qui concerne les clients, c'est un métier qu'on connaît déjà, donc voilà, être à l'écoute client forcément, mais rien de transcendant. Et pourquoi l'envie de créer cette entreprise, Vendez votre camping-car? Très bonne question aussi. Pourquoi avoir créé ça? Alors, j'ai travaillé dans différentes structures, voilà, dans le Calvados sur Caen. Et voilà, j'ai eu l'envie de monter une structure à mon image, à savoir dans la simplicité, dans l'écoute. On reste encore dans un métier de loisir, dans un métier humain surtout, ça c'est le plus important et c'est un mot que j'emploie très souvent. Mais voilà, le côté humain aujourd'hui se perd. Donc pourquoi avoir créé Vendez votre camping-car? Pour accompagner les gens à vendre et à acheter en toute objectivité. Et surtout, j'ai pas d'intérêt à vendre un produit plus qu'un autre. Et je pense que les gens aujourd'hui cherchent réellement du conseil objectif et j'ose espérer que c'est ce qu'on fait. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Je pense continuer à développer le réseau qu'on a aujourd'hui pour toujours continuer à alimenter nos clients et la demande client qui est très importante chez nous. Voilà, je pense que ça va être l'axe de progression, c'est le développement réseau qu'on a déjà. Mais continuer à s'entourer en tout cas de très bonnes personnes et des personnes compétentes, très important, et des personnes voilà, qui vont dans la même direction que nous et qui ont les mêmes valeurs, surtout, très important. Profilé, intégral ou capucine? Intégral. Pourquoi? Intégral, spacieux, couchage très facile à utiliser. Moi qui ai papa de deux enfants, je me vois très facilement dans un intégral. Et si j'avais un modèle à acheter, c'est le B544. Le B544 de chez Himmer. Grand salon, perpendiculaire, couchage au fond. Moi j'adore. Châssis Alco, double plancher, top, magnifique. Achetez-le, ça c'est un bon produit. Fourgon ou camping-car? Fourgon. Fourgon aménagé. Ça fait 14 ans que je suis piqué fourgon. Fourgon c'est ma cam. Fourgon c'est magnifique. Fourgon c'est compact. Fourgon c'est la même autonomie que le camping-car. Fourgon c'est confort de conduite. C'est voilà, c'est fourgon. Pourquoi venir chez Vendez votre camping-car? Parce qu'on est des gens sympas. On est des gens sympas. Un peu plus précisément parce qu'on est une entreprise de proximité,
Voilà, on est une entreprise familiale, on connaît notre métier, on est tous issus du camping-car, que ce soit l'atelier ou la partie vraiment conseil. On conseille, on est là pour conseiller, on est là pour accompagner, on est là pour construire des projets. Et on est conscient que c'est énormément d'argent, c'est du loisir qui coûte très cher. Donc voilà, on a cette notion d'accompagnement et de voilà, on se met à la place des gens. Et on a un vrai rôle, un énorme rôle de conseil, ça c'est le primordial, c'est important de conseiller un produit en fonction des besoins. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à la question pour le coup. Pourquoi aller chez Vendée votre camping-car, puisqu'on ne fait pas les choses comme les autres. Voilà, pour aller dans le global. Et bah du coup, j'ai envie de dire à bientôt. Allez, salut les amis, ciao. Qui es-tu ? Je m'appelle Steven. Tu peux nous en dire plus ? J'ai 33 ans. Encore un peu plus. Ouais. Il va falloir que je gratte beaucoup. J'ai deux enfants. Hein. Un modèle à choisir, celui qui me vient tout de suite en tête, c'est le B584, même pas. C'est pas celui-là. Non, c'est une... Tu la lâches pas. Pourquoi vendez votre camping-car, peut-être ? Bah, parce que tu vends pas des chèvres au marché. C'est pas faux, ça. Pourquoi des camping-cars ? Bah oui, effectivement. Les chèvres, je connais pas. La bagnole, ça me saoule. Il y a des gens compétents dans ce sens-là, ouais. Ouais.